Bonjour, Paradis. Bonjour, Paradis. Bonjour, Paradis. All right, all right. Une fois de plus, c'est un réel plaisir pour que nous soyons capables là, matin, dans un jour spécial, dans un jour qui marquait le monde, dans un jour que vous mettez à part pour que vous soyez capables d'honorer et commémorer la vie et aussi le travail que un géant, un garçon, a accompli. Pas bon, ici, qui est-ce qui est capable de rappeler exactement de qui est-ce qu'on a parlé là? Martin Luther King. Il est vrai que c'est pas on seul doit pas manger calme, pas ça. Mais travail que lui-même il t'a fait, c'est ton travail, il est capable de dire, même gens avec un travail général. Et ça, et travail il t'a marqué. Une qui t'a bataille pour la paix, une qui t'a bataille pour l'égalité, et une qui t'a bataille pour que nous-mêmes aujourd'hui là, qui là, qui joue un privilège, qui est capable et abjoui et accès que n'abjouio, c'est par rapport avec travail que lui-même il t'a fait et pour travail que il t'a mourir. Et pas ça? Ça veut dire que c'est ça qui fait valeur, beaucoup plus de valeur là. Ça veut dire que l'été by la ville, l'été sacrifié, en tout cas, l'été exposé la ville pour que nous-mêmes, je sois capable de jouir, ça n'a pas joui. Et bien, c'est comme ça, nous t'es jugé bon pour que nous t'es capable de mettre juste ça à part aussi. Pour que nous t'es capable d'honorer d'autres qui ont continué à faire le même travail que Martin Luther King a été fait. Ou bien d'autres cap jouit travail que Martin Luther King te fait, parce que si travail ça pas fait, je dis nous pas t'ap gagné des noirs ou bien des descendants d'Afrique cap qui même rivé à être président des États-Unis et sans mentionner les autres sénateurs, députés, maires et tant d'autres des responsables municipaux aussi à travers les États-Unis. So, de ce fait, nous t'avons commencé avant même que nous allions beaucoup plus loin. Nous t'avons nous demandé pour que tout le monde soit capable de camper pour respect pour l'hymne national que nous prenons et tendre ensemble. Nous avons en premier lieu l'hymne national en haïtien qui gagne pour jouer et puis tout de suite après ça n'a gagne hymne national et États-Unis qui gagne pour jouer pour nous-mêmes. Et qu'on y a nos vagues hymne national des États-Unis. Mm-hmm.
nous dit merci avec DJ Jean et asseyez-vous s'il vous plaît. Please be seated. Merci en pile là et oui, c'est deux hymnes nationaux que nous très fiers de nous-mêmes. Hymne national pays nous, hymne national la caille, hymne national premier pays descendant d'Afrique qui prend indépendance premier pays et noir qui commençait avec la liberté des noirs, des esclaves. Et pas ça? Et nous fiers de pays nous, et nous fiers de côté de nous sortis, et nous fiers de ça. Et aussi, nous fiers aussi de pays ça qui bat nos privilèges, qui bat nos possibilités pour que nous capables de venir par boy site. Et aussi, gagner on la vie meilleure. Et pas ça? Qui bat nous des opportunités. Et peut-être en lacaille et que nous gagnons des capables de rencontrer des difficultés et puis même mais pas boy ici temps liban nous possibilité pour que nous capables jouer en pile bagaille que n'a joué pas boy ici temps. Et bien c'est comme ça nous gagnons un chant par le groupe et par un groupe de paradis haïtien qui va souhaiter la bienvenue à avec un guest new que nous gagnons jeudi et nous sommes certains que et nous gagnons jeune monsieur dame ça yo. This is a group from un paradis haïtien that's going to sing a welcoming song. Under the leadership of Maestro Willie Azor. Et c'est sous direction baguette Maestro Willie Azor que yo gagne pour chanter chansa. Gagne la vie, et pas ça? Yes. Est-ce pas gagne la vie dans le paradis? Yes. Est-ce pas gagne la vie dans le paradis? Yes. Ok, c'est ça lié. C'est vivre, nous vivre, pas ça? Yes. C'est ça lié. Tout de suite, nous dit merci une fois de plus avec un groupe ça, de paradis, ainsi que Maestro Willy, ainsi que ce Joanne, et Kababa, performer, exécuter belle chanson et avec un invité spécial nous je dis nous gagnons tout de suite un chant par la sœur Josette Beaubrun.
Dieu de nos aïeux, daigne entendre nos voeux pour la patrie. Toi qui brises nos fers, que la terre chérie, jamais par des revers ne soit flétrie. Oui, tout brûlant d'ardeur, nous t'implorons, Seigneur, vois la patrie. Maintiens-la dans tes doigts, sois sa force et sa vie. Et Père, Fils, Saint-Esprit, Trinité, que tout craint, voie la patrie. Parle et que convertis par ta voix, obéis. Nous qu'a fait plus que ça. Nous qu'a fait plus que ça. Nous qu'a fait plus que ça. Oh, mes amis. Bel morceau ça là. Belle voix ça là. Ceux qui bon jeune si mon une boy ici dans là. Et voix aussi yo lui. Et va ça? All right. Nous dit Seigneur merci pour et pour privilège bay avec jeune nous boy ici là, la pour renouveler de force et pas ça? Là pour renouveler nous de force de jour en jour. Nous gagnons tout de suite et Kounia quelques mots par une jeune demoiselle nous pas boy site. We're going to have a few words by one of our youngster around here. C'est mademoiselle Finelli Alexandre. Fermez les yeux monsieur. On sentit mademoiselle qui très chère. Mot de Martin Luther King. Nous devons tous apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons tous mourir ensemble comme des idiots. Avoir la foi, c'est monter la première marche même. Quand on ne voit pas tout, l'escalier Martin Luther King. Merci. Wow. Nous prenons sens et déclaration. Hein? Nous prenons sens déclaration. Hein? Si nous pas apprendre vivre ensemble comme des frères,
n'a mouri comme des idiots. That's profound. If we don't learn to live as brothers, we will all die as idiots. Word of Martin Luther King Jr. And we are nous content du fait que nous te prend nous t'étend les paroles ça yo et que d'autres frères t'écouter et te suivre. Eh bien, tout de suite après ça, n'a bien avec nous et l'autre belle team demoiselle encore qui pourra le passer pour capable partager aussi quelques mots aussi. Et nous demander pour que mademoiselle Denise Noël mettez moi ensemble pendant que mademoiselle Denise Noël apparaît en fleur springtime. We need that. Bonjour et bienvenue à tous. Jeudi, c'est un gros jour côté n'a célébré Martin Luther King. C'était un gros poto mi-temps garçon qui était lité pour te faire moun noir marcher tête haut dans l'Amérique. C'est dans l'occasion ça, n'a honoré deux Haïtiens, sa yo jodia, qui c'est Jean Bradley de Renancourt et Natacha Victor. Natacha Clergé, sorry, Natacha Clergé. que nous, qui pral faire un bon travail dans la communauté ya. Nous voulons féliciter yo pour courage yo ak détermination yo. Nanon tout client paradis haïtien, nous disons bienvenue et bon travail. Merci. Comment paradis. Là nous dit pas dit que ça nous répond encore. Paradis. C'est ça le paradis force. C'est ça. Ensemble nous pourquoi nous faibles, yon sel nous faibles, mais ensemble nous forts. Ne va bien dire non. Nous va dire ensemble nous forts. Ah c'est bon. C'est pas qu'on parle politique mené là. Ensemble, nous forts. Il est vrai que avant, nous avons tombé dans le bagage politique, nous avons dit ensemble, nous forts. Ensemble, nous sommes la valasse. C'est pas ça? C'est-à-dire que. Non, nous avons dit ensemble, nous sommes la valasse. Parce que la valasse signifie une force. Mais après ça, l'entrée dans la politique, on a changé un peu. Mais, mes amis, quand il y a là, un bagage qui pourrait le faire là, I don't know how you're gonna take it. M'pa konn ki jan nou pa le pran. Moi même son côté m'pa chercher là pour capable courir pour capable chita pour pas tomber. You guys are fortunate, you guys are sitting down already. Nous même nous getan chita, moi même boko chita, c'est chita m'pa chita pour capable et suivre programme ça parce que m'ka tomber. Et nous pas d'avoir m'tombe. Non. Nous gon équipe bonne. Belle ti moun boy sit lan la. Et belle demoiselle sa yo. Yo pral démontrer quelques œuvres que yo fait. En parlant ta remé fait mention de ça. Ici nan paradis, ça fait nous dit nous fort, ça fait nous dit que n'a vive, c'est parce que bagage que nous te kon fè nous-mêmes et participants nous-mêmes grandet nou yo nous te kon fè et que nous pensons que nous pas ka fè encore les nous pensons la vie fini les nous pensons nous fini avec la vie les nous pensons pas gen demain encore les nous pensons pas gen espoir encore les nous entrer dans paradis qui ça nous dit nous oui gen espoir
espoir. Oui, nous capables. Oui, nous capables accompli même nous ca continuer avec même travail que nous avons fait. Oui, nous pas perdre valeur. Oui, nous pas suspendre valeur. Oui, nous pas capable de faire mes yeux nous pour dire que bon quitter en fin passer vieux jour sur canapé là, bon passer vieux jour sur son dodine là. Non, dans paradis, nous vienne vivre et nous vienne dire que nous capables continuer encore. Et c'est raison ça qui fait que chaque jour là nous venons, gain différentes activités que nous fait. Gain nous même qui fait bonheur, gain nous même qui fait scap, gain nous même qui fait bel dessin que moi n'a fait là. Et gain nous même qui fait et bel dessin coloring raf qui fait un collier, bracelet et tout ça. Mais qu'on ça tout. Gen nou même qui konn chante. Mwen veut d'être moi en derrière là. Mwen pa bliye non, mwen veut d'être moi là qui konn chante. Mais aussi gen nou même qui gen des habilités que nous pral wè là. Pral gon défilé pral fèt là. Yon défilé côté que rad sa yo ko pral wè qui pral défilé là, c'est rad qui coud ici là. C'est rad qui coupé, qui taillé ici là. C'est rad que patron yo fait ici là et non seulement yo fait ici là, yo coupé ici là, yo taillé, yo coudé ici là, mais aussi moun qui fait patron yo, qui coupé yo, qui coudé yo, c'est ici là tout. Yo yé. Moi mandé yo mettez main ensemble. Pour que yo capable applaudir et recevoir et accueilli cette défilé. Et dans premier lieu, nous gagnons Denise Noël. Fais photo moi, fais photo moi, fais photo moi. Fais photo mademoiselle lieu pour moi. This dress was made here at Paradis. This dress was designed here at Paradis. This dress was cut here at Paradis by our participants. Among many things that they do, among many things that they accomplish. And right now, here comes Rene Jerry. All right. Ole, 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 there you go, Jerry. There you go, Jerry. There you go, Jerry. Oh! Et Kounye Anabrele Marie Anaïs. Et nous guérons l'autre, mami la belle rade bleue. Wachel Bepao. Wachel Bepao. Et ça, mami, et ça, et ça. Mademoiselle Marimat. Alright, alright. Belle rade, belle wop, et pas ça. Nous parlons de rade ça, yo. Nous mettons au pouvant. Et qu'on y a là, nous guérons mami. Josette Beaubrun. Wow. Wow. Belle robe, belle rade. Oh yes. Oh yes. Ekounia. Nous guérons Mami Ifosia. Un bel tirade rose sous lui. Continue à applaudir, applaudir, applaudir. Plap, 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 plap. Et bel tirade ça, au capable,
tissus sont tissus coton que lié qui capable kembe ou très 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 warm qui capable kembe bien chaud. Et qu'on y a là, mettez-nous ensemble pour mademoiselle Rosanna Victor. Waouh, et grâce à son rat de deux pièces que lié, lié en haut et puis lié jupe en bas. Waouh, à la petite mademoiselle Shelby. Wa Shelby Pau. Mes amis, enfin, nous gagnons mademoiselle Finali Alexandre. Wouh! Come on, on applaudit. Waouh! Une belle rade encore qui est en deux parties, qui est jupe et puis qui est corsage là. Très belle. En fleurs. Ah oui, qui est talent, oui, dans le paradis. Est-ce que pas qui est talent dans le paradis? Est-ce que pas qui est talent dans le paradis? Est-ce que pas qui est talent dans le paradis? Et ça, c'est ça. Y a un autre bel applaudissement encore. All right. Dans le paradis, il y a avenir. Dans le paradis, il y a demain. Et pas ça? Et n'a pas dit, pas n'importe avenir qui gagne un bel avenir. Et n'a pas dit qu'il y a un bel demain. Et nous sommes nous contents en pile là pour nous capables de belle œuvre ça. We are very honored. Right now, we are very honored to get to the point of today's program. And we are proud in the midst of everything else. There's something that Bill Belichick, the Patriots, the champion, okay, often say. Yeah. You got to keep your eyes focused on the prize. Don't let the noise around the news, the media, distract you from the game. Et nous avons une équipe de football américain, Babo, ici, entraîneur. C'est un bagage, son travail, il fait très bien. Et tout est joué, toujours joué comme ça. Surtout dans l'époque, lorsque vous avez un gros match, toujours des bruits dans la nouvelle Cap Gaye pour capable de distraire. Vous avez toujours dit comme ça que vous avez les yeux fixés. Sous match pour jouer, il n'y a pas laissé ennuyer ou bien emporté par bruit. Eh bien, c'est comme ça. En dépit de tout bruit qu'a fait, nous avons quitté les yeux nous fixer sur le succès qui a accompli dans l'État Massachusetts. Nous ne pouvons pas pour le détail, mais dans l'État Massachusetts, nous avons deux victoires qui pour remporter. Nous faisons deux histoires et nous avons jugé bon. Pour que yon jou tant que je dis, yon jou de l'histoire tant que je dis, yon jou qui marquait en États-Unis et le monde entier, pas bon ici, par yon travail qui était fait par yon noir en descendant d'Afrique, qui c'est Martin Luther King. Et c'est comme ça, nous t'ai fait l'histoire dans la cour, Randolph. Massachusetts, avec un premier un haïtien américain qui t'a remporté victoire dans une course pour un city councilor, s'il vous plaît, aidez-moi encore, et conseil municipal, merci bien, un course conseil municipal, et nous avons honneur pour que nous soyons capables de gagner avec nous matin. Et nous-mêmes dans le paradis, nous voulons honorer pour travailler et nous voulons honorer comme un signe pour que capable toujours songer que tu as un groupe, tu as une organisation qui t'est honoré qui expect nothing rien que le meilleur
de par eux-mêmes. Mettez-moi ensemble pour capable que n'a gagné Natacha Clerge qui a rejoint nous ce podium là. Mettez-moi ensemble. Comment et Nanon Paradis qui fait partie de Mentor Network, nous t'avons honoré et nous demandons, par geste que nous parlons honoré, nous demandons pour que yon belle demoiselle et mademoiselle Linouz Chéri et qui va rejoindre nous et qui va présenter à nous-mêmes yon plaque représentée en façon que nous voulons honorer là en bon moi prendre microphone. Au nom de South Shore Asian Adult Health, nous avons honoré aujourd'hui Natacha Clerge and Reconnections for your achievement at the first Asian American Counselor in the town of Randolph, Massachusetts, January 15th. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. I'm going to speak both English and Creole in respect to our, you know, foreigners friend who are here today to support us, right? Ma fin di sa map di en anglais et puis après ça m'a dit la créole pour nous parce que nous connaît même là nous parler quelque soit langue non mais pas c'est pas nous d'accord. My name is Natacha Clerge and not too long ago I got elected in the town of Randolph as the first Haitian, I'm not going to even say Haitian woman, as the first Haitian to be elected in office in a town where half of the population is Haitian. Dr. Martin Luther King had a dream. I'm getting nervous. He had a dream that one day the great people of Brockton would vote the first Haitian American to office, not only in Brockton, for the Commonwealth of Massachusetts. His name is Jean Bradley de Renoncourt. He had a dream that Haitians who joined forces with Latino, African American, Haitians, and progressive white people to vote in office, their first Haitian in office. We Haitian people, we shouldn't be having any issues having a place in the great nation of America, of the United States of America to live, because our ancestors contributed to the freedom of this country. During the Battle of Savannah, we all know it, and also they facilitated the purchase of Louisiana, which doubled the size of the United States. So many Haitian American soldiers, like myself, joined the US Army during times of war. So many great human beings, like yourselves, played a big role. How? With your hard works, working doubles to pave the road, to bring us, me, Jean Bradley, to America, to educate us, so today we can be worthy of our voters, we can be trusted to be elected in high office. Our job today, it's not for us. We have nothing to gain, right, Jim Bradley? Yeah. And we don't have to show up anymore because we have nothing to prove, right? Yeah. Our job is to make you proud. Our job is to carry the Haitian American names clean and straight
but also to perform and fulfill our duty to be, once again, worthy of our voters and also to exceed their expectations. Non pas M. Natacha Clergé, nous tout comme ça déjà. En novembre, qui s'est passé là, nous t'ai bêté, alors, mon Randolph, nous connaissons mon Randolph là, nous t'ai fait confiance, nous mettons comme counselor at large, non. Et Randolph m'a dit nous ça déjà, being a counselor, c'est plus gros office qui a gagné, pas gagné rien sous des tours encore dans la ville là. Dr. King, t'es un rêve, pas vrai? Moi-même avec Bradley, je pense que jeudi à nous ces rêves là, parce que me fait que 10 ans mis en ça là, ouais, sous cas ouais deux nègres ayo, chita ensemble, c'est rêve Dr. Martin Luther King là qui l'a. Rêve là, c'était, il fait un rêve côté que il était ouais haïtien avec la mon latino, mon Afrique, mon non Asie. Avec blanc progressiste, t'as mis tes mains ensemble pour élu petit garçon noir qui chita là, avec tisseur noir là qui campait devant nous. Nous pas ta supposé, nous même haïtiens, nous pas ta supposé qu'un problème pour nous vivre à l'aise, pour nous gagner pas et j'en ai dit la caille dans les États-Unis. Vous comprenez pour qui ça? Parce que Zanset nous yo, en bas Freddy, t'es venu ici, y'a eu une bataille. Pour aider l'Amérique à jouer une freedom dans la savannah, côté où tu tué toute l'armée britannique qui te bail l'Amérique à freedom. Ensuite, tu te facilité pour l'Amérique à te acheter Louisiana dans les Français pour être capable de venir plus gros. Nous-mêmes, haïtiens, nous ne pouvons pas supposer qu'il y ait des problèmes pour nous vivre à l'aise, pour nous gagner dans les États-Unis. Parce que conseil de Montancoum dans l'armée américaine côté que me fait 8 ans. Il y a un pilote toujours haïtien qui est rentré dans l'armée américaine dans temps de guerre. M'entré dans l'armée américaine en 2008 côté que nous étions en plein guerre avec Afghanistan. Tout le monde dit petit fou fou, on va le voir mourir Afghanistan, ces soldats noirs ont voyé en vent. Nous pas ta supposé qu'il y a un problème pour nous vivre américain, on compte pour qui ça? Les regarder nous tout qui là. Combien dans nous qui gagne 20, 30, 50 ans ici, n'a fait double. Gagne qui fait 3 jobs pour nous te ka mener moi-même Jean Bradley, pour nous te ka faire éducation et mener nous ici, pour nous te ka faire éducation petite. Et puis nous connais nous même haïtiens. Famille pareil les maman papa petite. Famille c'est toute quartier, toute zone, toute cousin, toute ma tante, toute pas vrai? Moi tu me fais? Donc ou même ou sur en pile. Joune jodi a m konnen rhumatisme ap touye en pile nan nou, mais en pile nan nou, nou leve docteur, nou leve ingénieur, gen pa même konn li, nou leve et m kapab di, nou leve parce que maman m c'est youn nan nou là qui habite là Somerville qui leve. Alors blè m ap di maman m vle di papa tout, monsieur yo excusez-moi. Parent yo qui leve un counselor nan Brockton, qui leve un counselor nan Randolph. Donc contribution nous permet America s'allier jodi a là. So nous pas ta supposé gen problème pour nous vivre. Like I said before, job moi même avoir petit garçon parce que wa peine plus grand que petite fille. Même si nous elle puis au passé, me presque comme maman. Si me tonti Jean Pichon d'appel. So job moi même avoir, c'est pas show up, c'est pas mettre belle costume vin camper devant monde. C'est yok mettez nous là. Le moi même à Bradley camper sur un podium, c'est nous même qui camper sur podium là. OK? Job nous, c'est pour non seulement nous montrer non haïtiens. Nous fait nous kembel propre. Nous kembel belle. Nous pas pas quitter en rien. Tenter nous pour nous sale figure moun sa yo qui croit en nous, qui te voter pour nous. Merci. Nous pas pas quitter en quelle tentation dérouter nous. De ça, moun sa yo a espéré de nous. Job nous, c'est pour non seulement pour nous performer bien, mais pour nous performer plus bien que ça a été espéré. Merci beaucoup.
Wow. Well done and well said. Bien dit. Nous après été confident que c'est avant n'a fait seulement. N'a prêté confident. C'est piwo seulement n'a monté. Et avec concours nous, qu'ils ont dit nous même en paradis pour nous continuer faire pour officiel ça yo. C'est pour nous prier pour yo pour que bon Dieu capable préserver et capable aider yo dans travail qu'il a fait. Nous gagne matin ensemble avec nous honneur avant que nous clôturer nous gagne honneur matin pour capable gagner avec nous monsieur Jean Buckley Jr. Et li c'est une qui très involve et investi dans effort et dans travail que nous et qui revient et qui n'a pas eu résultat aussi moins songer quelques années de ça nous t'a parlé sur bagaille en termes de aider en américain aider un haïtien capable et monter et nous toujours dit que malgré que grand pile haïtien pas bon ici nous pas jamais capable arriver avec haïtien seulement parce que c'est pas haïtien seulement que haïtien ça pas le représenter ou a besoin toute communauté en entier et nous n'a évité et monsieur et John Buckley capable venir il capable et saluer ou en belle époque ça en bel moment ça en bel et event ça and it is an honor to present to you John Buckley Jr. one of the supporters one that stand with us one that's been working with the Haitian community in the city of Brockton and abroad. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is John Buckley. I am the Register of Deeds of Plymouth County. We're responsible in our office for all the land records from here in Brockton to Plymouth, all the way down to almost New Bedford. And our staff very much treats people respectfully and makes sure that anyone that comes into our offices have our questions answered, because for most people, their home is their most valuable asset. I was very proud to support Gene in this election. I think that we all have to work together in these very, very difficult times, particularly from some of the leadership we're seeing in Washington, which is abominable. And those types of actions can only be offset by the way we treat each other on a local level. Having someone like Gene to represent us in Plymouth County in a leadership role in our largest community here in Brockton is a great opportunity. But I'll tell you a story, because I know it was mentioned earlier that the success of these two elected officials really depend upon the actions of so many others over the years. Many years before I was the Register of Deeds, I was an attorney that practiced law in Brockton. I was approached by a young man, a Haitian man, who wanted to set up a restaurant in Brockton and get a liquor license. So I agreed to do that. His name was Duliafault Gene. Anybody ever been to Gino's restaurant? Well, Gino approached me to help him get a liquor license for his store. So we went in, Gino and I and Belange went into that meeting, and before we even sat down in our seat at that meeting, one of the members of the license commission, before they heard a word, said, "I oppose this proposal." And that absolutely was awful thing to do. But Gino didn't walk away. He appealed that decision with me. He later went back and had his license approved. And when he went back for a renewal of it, all of the neighbors
went to support him at the License Commission meeting. So what I'm saying is there are people that have made the paths a lot easier for those of us, and particularly in Gene's case, have come before us now, and we need to honor them on a day like this when we're honoring all of the tribulations and trials that Martin Luther King went through to bring about our freedom and our ability to vote, our ability to participate, and our ability to participate in our society. So thank you for hearing me today. I'm very happy to be here. It's a great honor to come here with Gene and talk about his success. So thank you very much, everyone. And without further ado, we are here in the city of Brockton. It is an honor to present to you our, when I said our, I mean as a Brocktonian and as a Haitian. Nous sommes contents et pour que nous capables de présenter à nous-mêmes dans une minute ça, notre propre conseiller municipal, moi j'ai un problème avec Moussa, conseiller municipal, yon haïtien, et histoire monsieur a couru loin, parce que c'est yon dans le monde qui est venu après 12 janvier, et qui rivé de là étant à être un citoyen américain, et non seulement ça tout, et qui perçait jusqu'à ce que les capables et chita en place en conseil municipal dans communauté dans ville Brockton. Et bien mettez-moi ensemble avec moi pour que nous capables de demander et pendant que nous demander Jean Bradley Doré dans cour capable de joindre nous du chat. Thank you. Et même ça nous dit avec Natacha n'a dit avec vous-même, nous sentons nous fiers pour que nous capables de gagner. Et aussi, nous avons fait geste ça pour que vous capables de songer. Tu as une organisation, tu as une communauté qui t'a honoré pour le travail et qui a des yeux fixés sur vous-même et qui n'est pas attendre rien d'autre que le meilleur de vous-même. Et avec Moussa, nous demandons pour que mademoiselle et Thérèse Wesh capable de jouer nous. Et capable de présenter à vous-même et plaque ça. South Shore Haitian Adopted Health, honoring Jean Bradley de Rancourt, in recognition for your achievement as the first Haitian American counselor in the city of Brockton, Massachusetts, January 15, 2018. Thank you. Thank you so much. Merci beaucoup. Wow, that belle bagaille, va oui. Ou qu'on aime moi, so y a rangé micro pour moi. M'a quitté parce que là voilà, c'est Dieu parce que m'a toujours craser bagaille mon yo. M'a pas venir craser rien là. Belle, passer là voilà, s'il vous plaît, qu'en belle moi. Thank you. On ba moi yo ba Natacha Flair, on ba me Flair. Moi les raison. But bref, comment nous y est? Comment nous y est? Paradis haïtien, comment nous y est? Come on, nous café plus bon que ça. Comment nous y est? So, I'm gonna do this in two ways. I'm gonna speak English because we do have some folks who don't know how to speak either French or Creole well, and we do have some folks who speak Creole. So I'm gonna speak some Haitian Creole and of course some English too, because I think my good friend John Barkley and of course Mike Lindy would like to know what I'm talking about. But before I even move on, I would like you guys to put your hands together for the ladies that just danced for us. Because défilé ça était vraiment bon. Mettez-moi nous ensemble pour mesdames nous se faire défiler avant nous. Nous battre mais ça vous fait. Nous battre mais ça vous fait. Belle bagarre, c'est pas vrai. So, yo dit paradis haïtien. So, depuis dans paradis haïtien, me senti dans paradis. Pour monde qui croit dans l'éternel, yo me senti dans ciel. Parce que nous gè passé la valance derrière là. Nous avons John Barkley et bien nous avons nous-mêmes là qui ont nos bons bagages. So, je dis sincèrement, c'est un plaisir pour moi là. Pour les gens qui ne connaissent pas
non pas monsieur Jean Bradley de Renoncourt, j'ai passé la voilà soudia conseil municipal dans ville Brockton. Et jeudi en ce jour pour Martin Luther King et paradis Haitian adult paradis haïtien bon parler quoi paradis haïtien choisi honoré nous South Shore Haitian Adult Daycare choose to give us an honor. I'm going to speak in English first and then I'll translate it because I believe this moment in this country, given the Trump administration, is a moment that all of us, Haitian or not, should come together to recognize the danger that this administration represents to all of us. Because as you heard recently, the president of this country made some foolish comment regarding our country, regarding Africa, and regarding El Salvador. So for me, it is a disgrace, given the fact that Haiti, as you know, is the first black nation independent in this world. To hear the president of this country talking like that about our country is a shame. So let's face it. All of you know that Dr. King fought a lot to give us the opportunity to speak in this world, to give us the opportunity not just to speak, but to speak with decency and integrity. Not just to speak with decency and integrity, but to speak with vigor and determination to recognize the potential of all of us. And as you know, he fought. And his fight was not only about the American people, but it was about what's going on in the world. Because no matter where you are and what you do, you are still part of the human nature, because all of us are human beings. And he went on to say, and I quote, "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere." Because if something crazy happened in this country, it also happened outside of this country. And if it's something crazy happened outside of this country, it also happened in this country. So we are all people. And Pastor Lavala said it. Yes, I was born in Haiti. Yes, I came in this country in 2010. Yes, I became a U.S. citizen. But I'm proud to tell you now that I am an American, like everybody else. Because this is our city. This is our country. So on a day like that, I don't think we should have talked about what Trump said. We should honor the greatness of Dr. King, his legacy, and what we as young people can do with his word and his determination to see that black and white, yellow or green, come together as one to talk about what we can do as people, regardless where we come from. But it is a different story, because when the president called Haiti, you know the name, I'm not gonna say it, it's a shame. At my age, being 27 years old, I don't know what to make out of it. But you know what? People are taking note. The best way to fight this is to go bold and go wise and do not let anybody scare you. And I said it to people that I am not scared of anything. You know why? Because I was born in Haiti. Come on. I was born there. So by being born in Haiti, it gives me the ability to recognize not just my potential, but the potential in someone else, and help me understand that regardless what I believe in, regardless where I am, I have a solemn obligation not just to speak for myself, but to speak for all of us. Because together, we can do a lot when we let bigotry and injustice and foolishness tell us otherwise. We become fool. And when we let people's word telling us that we cannot speak loud, it's weird. It is my job to represent you. It is my job to represent everybody in this city. But I also know that I cannot do my job by myself. I need you and I need the other people out there. Because you know what? We are on the same boat. We are on the same boat. If that boat is gonna sink, all of us are gonna have to learn how to swim. And I don't wanna swim in this way. So it is a shame. So je dis à moi vraiment fier parce que mon présence nous, mon présence communauté haïtienne pour nous parler de grandeur de Dr. King, en fonction de tout ça qu'il fait et toute legacy qu'il quitte pour nous.
mais je suis fier le fait que je suis petit à Haïti. Je suis fier le fait que maman est haïtienne. Je suis fier le fait que papa est haïtien. Je suis fier le fait que le pays d'Haïti a une histoire. Une histoire que aucune autre nation sur la terre n'a pas gagné. So, je dis, pendant qu'il a honoré nous, il a battu une plaque, il a nous un nom, Dr. King. Parce que sans les mêmes, nous-mêmes qui là, nous n'étions pas cachés là. Parce que c'était une époque dans le pays ça, côté monde noir avec monde blanc, pas de cabab ensemble. Mais avec Dr. King, avec un paquet d'autres monde blanc qui te mettait tête ensemble pour le travail, d'une manière collaborative, côté nous tous te venu chita pour nous manger ensemble, parler ensemble, chanter ensemble, prier ensemble, monde ça a été bataille pour eux. So, je dis pour moi-même, c'est un honneur, pourquoi pas, une fierté, pour nous parler non seulement des grandeurs Dr. King, mais pour nous célébrer non. Paradis haïtien. Côté nous-mêmes, étant que grandette, t'es entré dans le pays ça. T'es ouvert porte là pour nous, nous-mêmes, la jeunesse. Pour nous être capables de venir, pour nous porter bannière que vous t'es apporté déjà. Non, l'autre façon. So, je dis, hein, il est vrai, c'est nous-mêmes qui n'en poste là. C'est nous-mêmes qui sous chaise là. Mais c'est nous-mêmes nous voulons représenter. Mais sans Dr. King, sans Malcolm X, sans un paquet l'autre monde, nous pas tap gain. Et pas oublier, le pays d'Haïti, c'est un grand pays, nous avons une belle histoire. Premier peuple noir libre dans le monde. Nous ne pas supposer jamais oublier 1803. Nous ne pas supposer jamais oublier Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines. Les gens ont écrit l'histoire. Mais quel que soit côté nous, quel que soit ce qu'on a fait, nous avons un devoir pour nous travailler main à main, tête à tête, pied à pied, pour nous lever le drapeau pays noir pour nous. Parce que le drapeau pays noir, c'est fierté nous. Drapeau paysan c'est force nous, drapeau paysan c'est grandeur nous. Sans drapeau nous pas gagne pays et sans drapeau nous pas gagne avenir. Parce que là on parle de la population haïtienne, qu'est-ce qu'on voit? Nous est drapeau pays d'haïtien. Il est vrai qu'on paquette de magogie parfois qui compte fait nous. On dit gens triste parce que nous pas comprendre ce qu'a fait là. Mais je dis c'est un grand jour pour nous, paradis haïtien pour engagement pour la honorer Natacha Clerget qui se font on bagaille merveille dans Randolph. Pour la honorer Jean Bradley de Renoncourt qui se font un bagage merveilleux dans Brockton. Mais bagage merveilleux sans valable qu'a fait sans la communauté haïtienne. Bagage merveilleux sans valable qu'a fait sans la communauté qui l'a déjà. Communauté blanc, communauté noire, communauté latinoa. Il est vrai, c'est Jean Bradley de Renoncourt qui gagne l'élection. Mais il y a des mondes comme John Barclay de Didalea qui ont fait un travail, qui ont fait un paquet de bagages. Parce que la valace qui a 20 ans dans le pays, qui a 7 ans dans le pays. Moun sa a été construit en pépinière pour nous-mêmes étant que jeunes. C'est qu'à venir là. Je dis en ce jour pour nous honorer Dr. King parce que, étant qu'il y a un pasteur, étant qu'il y a un activiste, il était prêché pour le monde là. Il était prêché pour le monde là capable de connaître. Quel que soit côté nous y est, quel que soit ça n'a fait, nous tous avons le droit pour nous vivre tant que monde. Et pas oublier, je dis ça hier pendant que je parlais dans l'event. Pays d'Haïti pour l'indépendance, 1803. Depuis le jour où nous prenons l'indépendance, nous abolissons l'esclavage. Les États-Unis prennent l'indépendance en 1776. Ils prennent 200 ans pour abolir l'esclavage. Nous consacrons la démocratie. Nous définissons la démocratie. Nous ne pouvons pas quitter le monde, faire nos paix. Nous travaillons avec fierté et discipline pour nous prouver tête, nous, parents, nous, amis, nous, famille, nous, que nous-mêmes, tous, nous avons le pouvoir dans le pays. Nous-mêmes, tous, nous avons la valeur dans le pays. Si vous êtes capable d'ouvrir la porte pour l'autre monde, traiter le monde avec respect. Vous supposez traiter nous avec respect. Moi-même, j'aimerais être les deux en cours, sénateur Linda, le sénat Fori, consulmen Natacha Clergy, avec consulmen Eunice, nous travaillons d'une manière collaborative pour nous travailler pour toute communauté, pour nous travailler pour nous représenter la communauté haïtienne comme ça doit. Nous avons des gens qui ont fait des bagailles extraordinaires dans la communauté. Mais sans bon Dieu comme nous connaissons, nous n'avons pas de bagailles nous pas de faire. N'a pas demandé bon Dieu pour nous force et discipline pour nous marcher dans le chemin qui doit. N'a pas demandé nous-mêmes pour nous prier pour nous. Pour bon Dieu ba nous plus sagesse, volonté, détermination pour nous travailler. And we are asking you not just to pray for us, but to pray for this country, to pray for our country, because this is the land of opportunity. This is the land that gives us a reason to believe in justice. Then nobody, no matter who you are and where you stand or what you stand for, should let us believe that we should not have the same mentality. At my age,
I have no fear at all. And I said it yesterday, that's what I said. My life is my reputation. My life is my words. And my life is where I stand. For the sake of justice, I will stand with you. For the sake of respect, I will stand with you. For the sake of bringing peace in this world, I will stand with you. And if I have to fight for this country, I will stand with you. Because together, we can do so many things. I would like to thank you for taking the time to listen to myself, Natasha Clergé, John Barkley. Thank you and God bless you. I love you all. Bon Dieu bénis nous. Bonne journée. Portez-nous bien. Et sous notre ça, on connaît dans le paradis, nous avons un schedule qui est antigen fixe. Et va ça, mon la kaye moyo. All right. Et qui nous sentons nous content, nous voulons dire merci et avec staff activité. Nous mettons mes ensemble pour capable et applaudir. Nous demandons pour Natasha Dorfeuille, s'il vous plaît. Wisner et Dorsey. C'est deux têtes ça qui sont venues avec idée ça qui fait la matin. Wisner Dorsey, c'est assistant directeur. Et Natasha Dorfer, c'est activité coordinatrice qui est venue avec idée et nous avons encadré idée pour que nous soyons capables de faire un bel moment ça jeudi. Et nous dit merci à vous-même, nous dit merci avec tout staff qui contribue, qui aide, qui participe, qui permet que journée ça capable bien journée event ça capable un event qui réussit tout reste staff activité yo, chauffeur yo, nurse yo, et front desk et tout staff nursing non net complet et aussi tout staff cuisine non. Nous dit merci à nous tout et nous dit merci à vous-même participants yo qui t'es déplacé, qui t'es venu jodi pour être capable venir parce que dans bel et moment et d'honneur ça pendant que n'a levé non haïtien, réputation haïtien bien haut tout côté ne passé. Pas ça? N'a levé tête haïtien parce que n'a fait bon bagaille. Et ben, all right. Et ben, une fois de plus, merci et mille fois merci DJ et bel morceau allez pour nous-mêmes. Merci avec Linouz qui t'est poté et plaque là pour nous-mêmes. Nous dit merci avec Thérèse qui t'est participé aussi pour être capable de faire ça. Merci et mille fois merci. Mille fois merci. DJ, envoyez-nous aller. We want to say thank you to Brockton Channel, Mark here that came here and televised this event for us. We are forever grateful and thank you. We want to say thank you to Marlene Amede, HCP. C'est une organisation qui a fait des travaux positifs dans la communauté haïtienne. Non seulement ici d'abord, mais même capable de dire dans Massachusetts en général. Et monsieur, c'est certain que le travail qu'a fait, il va aller en dehors de bordure et à Massachusetts. Marlene Amede. Eh bien, nous sommes capables de lever et puis nous qui parlons laver mes yeux, à laver mes yeux et puis pour que nous capables de rejoindre nous et sur table pour que nous capables de déguster un bon repas que nous sommes certains que la cuisine a préparé pour nous-mêmes comme à l'accoutumée. Merci bien.